ces derniers temps, on entend de plus en plus parler du fat bike. Ce sont les nouveaux concurrents des VTT classiques. D'ailleurs, le modèle électrique est plus intéressant. Son avantage, c'est d'être un vélo à assistance électrique et de posséder de grosses roues. Ces derniers sont importants pour permettre au vélo de rouler sur tous les terrains accidentés. Mais vous vous demandez lequel des modèles existants sur le marché allez-vous acheter? Pas de panique, nous sommes là pour vous conseiller. Ce comparatif regroupe pour vous les trois meilleurs fat bikes électriques du moment. À vous de choisir celui qui conviendra le mieux à vos besoins du quotidien. Pour commencer, nous allons parler du fat bike électrique de la marque Sisom. Le haut de gamme CM900 avec un affichage LCD intelligent avec contrôle assisté. Doté d'un puissant moteur, ce modèle vous permet d'aller n'importe où. De plus, avec la protection thermique intégrée, il empêche la surchauffe lorsque vous montez. Ceci afin d'améliorer la sécurité, l'efficacité et la longévité du système. Aussi, sachez que son système de freinage utilise des freins à disque hydraulique double. Ainsi, il est plus facile à utiliser. Vous pourrez arrêter le vélo en appuyant légèrement sur le levier de frein. Ce n'est pas tout, question de confort, ce vélo embarque une selle avec une assise faite en mousse ergonomique. Aucune douleur ne sera ressentie durant tout votre trajet. À part tout cela, ce fat bike électrique est pourvu d'une transmission Shimano à 9 vitesses. C'est la plus courante des transmissions. D'ailleurs, les pièces sont conçues avec précision et permettent de profiter de plus de stabilité de conduite et de durabilité. Et grâce à sa batterie au lithium 48V 17A, vous avez la possibilité de parcourir une distance plus longue d'environ 50 km à vitesse élevée. Ce modèle haut de gamme est très tentant de par la protection thermique intégrée, son système de freinage, la transmission Shimano, et sa batterie au lithium. Nous avons tout de même à redire sur son poids lourd à transporter, et son gabarit volumineux. Tous les points forts de ce fat bike électrique font de lui un outil indispensable à la vie quotidienne. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter les liens dans la description de cette vidéo. Continuons avec le fat bike de Todimar. Il s'agit du fat bike offrant le meilleur rapport qualité-prix. Le GW20 qui est un modèle pliable avec une transmission Shimano à 7 vitesses. Embarquant une batterie lithium-ion de 48V avec 15A et un moteur 100 balais robuste, ce vélo vous assure un long trajet avec sa grande autonomie allant jusqu'à 60 km. Avec un compteur numérique intégré au guidon, vous aurez facilement accès aux divers paramètres importants comme la vitesse à temps réel, le volume batterie restant, l'alerte de panne, etc. Notez que la hauteur du guidon et de la selle de ce GW20 est réglable selon la hauteur du cycliste. De plus, la selle est ergonomique pour créer un maximum de confort à l'utilisateur, ce qui est un critère important pour un cycliste. Concernant les pneus, ils sont conçus plus gros que d'autres sur le marché. Ils sont tout-terrain pour offrir plus de stabilité afin d'éviter le plus possible les chocs. Pour finir, au niveau sécurité, le cycliste n'a rien à craindre puisque ce fat bike électrique est doté de deux freins à disque qui lui permettent d'arrêter le vélo en toute facilité. Les points forts de ce moyen de locomotion de Todimar sont sa grande autonomie, son compteur numérique intégré, le guidon et selle réglable, et ses dispositifs de sécurité. Toutefois, nous souhaiterions des améliorations concernant son encombrement une fois plié. Tout compte fait, malgré ce petit défaut, ce modèle a tout pour plaire. Vous pouvez cliquer sur les liens dans la description pour des détails en plus. Nous allons maintenant clôturer ce comparatif avec notre fat bike coup de cœur d'Eleglide, le modèle Tankroll. Nous adorons ce modèle pour les nombreux avantages qu'il a à nous offrir. Ce fat bike électrique est puissant grâce à son moteur de 250 watts. Il permet également de profiter d'une vitesse maximale de 25 km/h. Quant à sa batterie, elle est amovible avec 48V 10A et prend en charge jusqu'à 65 à 70 km en mode assistance. Il permet ainsi un long trajet pour vos excursions. Il possède un engrenage Shimano 7 vitesses et 5 niveaux d'assistance à la pédale pour faciliter son utilisation durant tout le trajet. Sachez aussi qu'avec ses deux pneus larges CST, vous pouvez voyager sur divers terrains et partir dans divers endroits avec plus de stabilité. Côté sécurité, ce fat bike électrique est pourvu d'une suspension hydraulique livrée avec blocage. Vous pourrez ainsi la verrouiller sur des routes plates et la déverrouiller en terrain caoteux pour une conduite plus confortable. Aussi, grâce à son écran LCD intelligent, il vous informe en cas de dysfonctionnement. Nous aimons tant ce modèle pour son puissant moteur, sa batterie amovible, ses 5 niveaux d'assistance et sa suspension hydraulique. Malgré tout, nous déplorons l'absence de feu arrière. C'est la fin de cette vidéo, et nous espérons que ce top 3 vous aidera à réaliser le meilleur achat. Si vous voulez encore plus d'informations, les liens sont disponibles dans la description. N'hésitez pas à donner votre avis et retour en commentaire sur les produits que vous aurez testés.
La vidéo vous a plu? Vous pouvez la liker et vous abonner pour de nouveaux comparatifs. À bientôt sur Guidomatique.